Ce headshot. Ouais, je m'envoie des fleurs. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ah, il y en avait encore un. Ah, saleté, saleté, saleté. D'accord, on y va avant que d'autres nous tombent dessus. Ah, de l'art contemporain ou contemporain. Bon, on va tout fouiller. Ah. Ah, sinon, toutes les troupes de morts de la patinoire continuent à tourner. Si les matériaux comme nous sommes moins nombreux, ils pourraient causer des sérieux dégâts. D'autres infos pour aider les colons. Plus on en trouve, plus ils auront de chance. Du fric. Donc en fait, apparemment, les gars de Cerberus, ils y sont allés à trois pèlerins, quoi. J'exagère un peu, mais tous leurs rapports disent qu'ils... Si les colons savent qu'ils sont en... Santé. On peut casser les vitres. Ah. Bim. Aïe 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 aïe. Hop là. Ah. Parfait. Ces renseignements donneront une chance à la résistance d'Eden Prime de chasser Cerberus de leur colonie. Donc il y avait un traître. Du fou là-haut, toi. Voilà, c'est cet enregistrement du labo des protéines. Cerberus l'étudie pour savoir comment ouvrir le module. Mission. Sésame, ouvre-toi. Hop, alors là-dedans, il n'y a rien. De XP. Qu'est-ce que c'est? Oh, faut pas l'énerver lui. Victoire, celle des poisons, compris. Oui.
fait, quand... Là, ça, le fait qu'il l'appelle Victor, ça me fait penser à l'augure dans le 2. On verra après. Quelles sont les pertes ? Après qu'il s'est fait parler. Les forces des moissonneurs ont détruit environ 300 000 modules de survie. Un tiers de notre peuple. Alerte ! Impossible de sceller la cloison nord. Ennemi détecté. Toutes les forces au nord. Je peux dupliquer ça pour ouvrir le module de survie. Vous avez compris ? Et vous ? Non. Je n'ai vu que des parasites. Cerberus tentait de le décoder. Sans succès. L'énigma protéenne que vous avez reçue sur Féros, cela vous permet de percevoir les images comme un protéen et de comprendre leur langue. Peu importe. J'ai vu la vidéo. Et leur méthode pour sceller les modules. Parfait. Il nous faut juste le signal utilisé pour activer la stase. Ok, donc en fait, ouais, ce que je disais, c'est... avant avant de devenir un récolteur, c'est-à-dire que l'augure, en fait, c'était vraiment, c'était un protéin, c'était un des chefs de guerre, en fait, de protéin. Ok. C'est bon à savoir. Bon, ce que je pensais, en fait, c'est comme ce qu'on avait vu dans le 2. Je pensais qu'il était devenu, l'augure des récolteurs en devenant justement un récolteur. Enfin bref. Ils ont été abattus alors qu'ils regardaient un match en buvant un coup. Les fils de pute, c'était la maison de quelqu'un. Ils ont renversé de la bière, à mort. Cette tourelle va me gonfler. Désolé James. Et t'attaques quand tu veux, hein, toi. Affirmatif. Ah oui, non mais si. Ouch. On va essayer d'aller chercher Lyra. Oh, putain, elle a fait tout le grand tour. On dirait bien. Wow, wow, wow. Ah, en plus elle est même pas à couvert, non hein, c'est en plein milieu et il y aura rien. Oh my god. Voilà. Ce labo a trouvé des archives vidéo des protéins. Cerberus l'étudie afin de trouver le signal de désactivation de stase. Mais avant d'aller là, par contre... Ah ouais, ça... Le truc des colons, c'est bon. Alors... Ouais. Des frics... Oui,
Attention, toujours important ça. Il n'y a rien de pire que quand ça fait clic. Moi je trouve ça débile qu'on puisse pas rengainer son arme. Alors, que va-t-on voir ce coup-ci? L'impression déjà vue là. J'imaginais que notre empire vivrait. Il vivra. Nous dormirons ici et lorsque les moissonneurs partiront, 1 million d'entre nous se dresseront. Pour l'Empire. Pour l'Empire. Votre module attend. Victoire, envoie le signal préparatoire à tous les modules. Et les réfugiés encore en route vers le bunker? Leur sacrifice sera honoré dans le prochain Empire. Ah, t'es comme ça, toi. Ça aussi? Ouais. J'ai le signal employé par les protéins pour activer la stase. Parfait. Alors on a tout ce qu'il nous faut pour l'ouvrir. Eh ben, ça rigolait pas chez les protéins. Hop. Je me souviens plus ce que j'avais dit que je prendrais là. Ah si, j'avais dit que je prendrais le dégât des armes. Hop. Toi tu te démerdes. Et toi tu te démerdes. Allez hop, on est reparti. On va aller voir ce module. Ah bah ouais. Ah. Headshot. Je suis pas allé voir ici. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, t'as fini, oui. Yes. Raté. Ah oui, tourne-toi, c'est encore mieux. Ça c'est James. Tu me remercieras plus tard. Voilà, ce taré. On va enlever l'armure. Voilà. Lyra, t'es où? Ah, t'es là. Ils ont rentré le pont. Il faut trouver un autre chemin. Allez, salaud! Là.
hop là. On va en aller à droite. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, c'est pour descendre. Eh bien, descendons. Alors, le module. Je transmets le signal. Parfait. Le module va prendre quelques instants pour le traiter. Nombreux ennemis en approche, commandant. Quoi là-bas, toi? Il faut tenir cette position. Saleté. Ah, arrête de le faire bouger. J'aurais pas dû faire comme ça. T'es vu toi là-bas. On peut reprendre notre souffle quelques instants. Ouais, moi j'aimerais bien juste... que mon coach soit là. J'ai besoin d'une poche de glace. Oh, chuchote. Pas de munitions. Le module a coupé le mode stase. On y est presque. Pas de munitions, on se démerde. Si on manque de munitions, il y a un dépôt de Cerberus dans le bâtiment d'à côté. Ah. Je peux projeter une singularité pour bloquer l'accès à l'ennemi. Ah. En effet. What the... bon, c'est là qu'on rigole. Vous avez quoi comme truc, vous? Ah, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Ah, il y a des mecs qui arrivent là. Encore un. Ah, qu'est-ce que t'as fait, Lyra? Alors, affublie les armures, yes! Casse contre les blindages. Quand tu pourras, tu fais ça. Oh.
Let's go. Il est tout froid. Il peut prendre du temps pour reprendre complètement conscience. Pas le réveil. Désolé pour le lag, je sais pas d'où ça vient. Là. Attention, il est désorienté. Wow, wow, wow. Pourquoi ça lag? Je suis vraiment désolé là, mais... Je vois pas du tout de quoi ça vient. Ça fait 50 000 ans pour nous, mais pour lui, c'est comme si... Quelques minutes! Négatif. D'après les estimations, le bunker sera en veille. Certains modules sont actifs. Ces soldats respirent encore. Leur sacrifice sera honoré dans le prochain empire. Allez à votre module. La bombe neutronique va tout purger. Un empire avec ça. D'autres ajustements seront nécessaires. La bombe neutronique a causé des dégâts. Évidemment. Explique. Capteur endommagé. Le réveil automatique n'est plus possible. Vous resterez en stase jusqu'à ce qu'une nouvelle culture découvre ce bunker. Des pannes d'énergie sont à prévoir. Ne coupe pas d'autres modules. Il me faut tous ceux qui restent. Les besoins seront traités par priorité. Je serai bien plus que ça. Ok. Combien d'autres? Juste vous. Vous me comprenez bien? Oui. À présent que j'ai pu lire votre physiologie, votre système nerveux. Assez pour comprendre votre langue. Alors vous me lisiez pendant que je voyais? Nos derniers moments... Notre échec. Votre peuple a fait tout ce qu'il a pu. Il n'a jamais renoncé. J'aurais bien besoin d'un peu de cet acharnement. Shepard, vos actions ont attiré l'attention de Cerberus. On se casse. Asari, humaine. Je suis entouré de primitifs. Mais oh, on se calme. C'est dangereux ici. Vous venez avec nous ? Vous combattez les moissonneurs? Oui. Ouais. Alors j'aviserai. Tu viens de te prendre un vent, ma petite.